C'est qui? Eh bien, je sais pas, il y a personne. Ça sonne, hein? Mais qu'est-ce que t'es con? T'as vu tout ce que tu m'as fait marcher pour rien? T'as fait 12 pas? Ah bah quand même, hein, le loup. Hein. Daniel. Ah. Daniel. Je ne ronfle pas, je te jure. Tu ne ronfles pas? Je te jure, j'ai les yeux ouverts. Oui, mais tu ronfles. Non. Mais c'est tout enregistré. Je ne ronfle pas, je te jure que j'ai les yeux ouverts là, comme ça. Pour empêcher de dormir toute la nuit. Je t'ai empêché de dormir. T'as dit que c'est vrai qu'il ronflait, c'est pas vrai. La Danielle est un spécimen très rare, qui se déplace souvent très lentement. Bah, demain, il va falloir que j'aille... Elle a pour habitude de parler toute seule. Faudra que j'achète des... Non, une table, ça ira pas, une table. Malgré sa petite taille, elle est toujours aux aguets et reste très féroce. C'est fermé les genoux parce qu'on peut me voir. Je sais pas. Elle je ne sait pas. Jamais rien. Elle peut rester sur son canapé pendant des heures, à regarder dans le vide. Non. Celle-là, c'est pour allumer et éteindre. Elle peut mettre plusieurs années pour apprendre le fonctionnement d'une simple télécommande. Oh, bah dis, c'est nouveau, hein. Pour l'approcher, il faut être très courageux et lui parler dans son langage. Je sais pas où mettre les valises. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais. Le loup. Ouais. Oh, putain, regarde comme il pleut tout d'un coup. Non, il pleut pas. Ah, bah, c'est bizarre, cette tisane. Elle dort, mais ça se voit qu'elle est trop vénère du retard. 5 heures de retard, les amis, et on va devoir prendre un bus. Ou la merde. Ouf, putain. On l'a repéré. Non, mais si, Daniel, faut se dire la vérité. Je suis un fils de pute. Oh, tu penses à l'ouf. Parce que c'est ton père, c'est pas une pute. Tiens. Oh, merci, mon loulou. Oh, c'est de la merde. Hé, hey, loulou, ça, c'est typiquement américain, ça. Ça? Oh ouais. C'est un truc d'Harry Potter. Question. Comment s'appelle la mère d'Harry Potter? Albertine. Bien joué. Putain, ouf que t'aies deviné comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais de bon? Un chouette soupe de gourgettes avec des carottes, des oignons, du saumon, des gourgettes. Tu l'as déjà dit. Bah, des gourgettes. Tu l'as déjà dit. Allez, à demain, Daniel. À demain, loulou. Dis donc, loulou, c'était la honte à la caisse, hein, parce que tu m'as mis des préservatifs dans mon caddie et la caissière m'a regardé d'une drôle de façon. Espèce de fumier gros dégueulasse, va. Daniel, c'est le grand soir. Ah ouais, c'est le grand soir aujourd'hui. Allemagne, France, pour la Coupe du Monde. C'est l'Euro? Bah oui, pour la Coupe du Monde de l'Euro. D'accord, Daniel. Tu vas le regarder? Ah bah oui. Quel est ton pronostic? Moi, je pense que la France va gagner. Déjà, il y a Griezmann, Pogba, et le meilleur qui arrête les ballons, c'est Lloris. C'est quoi son poste? Devant le panier. Et qu'est-ce qu'il est censé faire? Attraper le ballon. Et tu peux nous annoncer un petit buteur, là? Je pense que c'est Pogba qui va lancer le ballon. Ils vont gagner combien? Ah, le score! Moi, je dirais 2 pour la France et l'Allemagne, 1 peut-être. Loulou, j'arrive pas à t'appeler. C'est marqué dans la rue, pas de wifi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Je sais pas. Tiens, c'est bizarre, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un avion. Et pourquoi il y a un avion? Je sais pas, j'ai pas touché. Bah, je vais appeler Orange parce que ça marche pas. Non, Daniel, s'il y a un petit avion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans l'avion. Non, là tu n'es pas dans un avion, là. Ah non? Ça veut dire que tu t'es mis. En mode avion, mais non, j'ai pas touché au bouton. Tu as dû le faire sans faire exprès? Ah non, je te jure que non.